Yo tout le monde, c'est Marco Bikenzi. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur FIFA Mobile pour vous montrer comment avoir le nouveau Cristiano Ronaldo de l'équipe Al Nassr facilement. Et je vais vous montrer comment augmenter son gène sans avoir de crédit. Et à la fin, vous allez voir comment équiper le maillot de Al Nassr facilement. Avant que la vidéo commence, ben abonne-toi à la chaîne si c'est pour la première fois tu es tombé sur l'une de mes vidéos. Les amis, si vous voyez là, j'ai 17 millions de crédits. Comment j'ai gagné tout ça? Je vais vous expliquer ça. Voilà ce que j'ai fait. Et il y a des événements qui donnent des jouets gratuitement. Je vends toujours les jouets que j'utilise plus dans mon équipe ou les jouets qui ne sont pas importants. Comme ça, j'ai gagné des millions facilement et rapidement. Et en fait, je vais vous montrer ça. Par exemple, il y a ce nouveau événement au Brigado Pelé. On va me donner Pelé gratuitement. Alors, juste, je dois accomplir quelques défis. Oh, incroyable, son prix là, 250 millions de crédits. Franchement, c'est beaucoup. Et les amis, on peut gagner des jouets gratuitement dans Pasta. Et ici là, si vous voyez, j'ai gagné ce jouet là. Son prix coûte 3,7 millions. C'est pas mal. Par exemple, dans l'événement Totti, on peut gagner des jouets aussi. Je vais vous montrer ça. Ici, je vais échanger mes jetons Totti contre des jouets pro. Maintenant, je vais vendre quelques jouets qui ne sont pas importants dans mon équipe et vous allez voir que je vais gagner des millions comme ça. Je vais faire ça rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue et après, je vais vous montrer comment avoir le CR7 Al Nassr moins cher dans le jeu. En fait, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment avoir plus de crédits dans le jeu rapidement et facilement. Alors, je vous invite à les regarder parce qu'elles vont vous aider à gagner beaucoup de crédits dans le jeu. Là, je vais vendre des jeux rapidement. Et là, je vais vendre Roberto Firmino. J'utilise pas ce jouet dans mon équipe. Mais je dois transférer son niveau d'entraînement sur un autre jouet, par exemple Pelé. Il me faut 132 éléments de transfert pour pouvoir effectuer ce transfert. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux vendre le joueur facilement. Voilà, on va me donner 1,5 million de crédits pour Firmino. Je vais vous montrer, ça ne va pas affecter la note globale de mon équipe. Il y a des joueurs qui sont déjà vendus, alors je vais réclamer les crédits rapidement. Alors, on va me donner 1 million de crédits. Voilà, je vais gagner plus de crédits quand les autres joueurs seront vendus. Ok les amis, pour avoir le CR7 de l'équipe Al Nassr, faut aller dans le marché des transferts. Et une fois arrivé ici, vous voyez en haut à droite, chercher. Alors, je vais appuyer dessus. Et le nom du joueur, par exemple, C.Ronaldo. Et dans notre général, minimum, faut mettre 100. Et les autres trucs ne sont pas importants. Si vous voyez, il y a deux CR7 de l'équipe Al Nassr qui sont disponibles sur le marché. Le note général sont mêmes, mais les prix sont variés. Je vais vous montrer ces deux CR7 sont identiques, vous allez voir. Par exemple, j'appuie sur le CR7 là et vitesse 199, tir 118. Et pour l'autre, vous voyez, c'est pareil. Alors, je vous conseille de choisir le CR7 avec prix le plus bas. Et là, il y a deux prix, le plus bas et prix le plus élevé. Le plus bas, c'est 14 100 000 et l'autre, c'est 15 600 000 crédits. Quand tu payes avec un prix plus élevé, le jeu va vite venir dans ton équipe. Avec un prix plus bas, ça peut prendre du temps, alors je vais choisir prix le plus élevé. Et maintenant, j'appuie sur acheter, puis confirmer. Voilà, c'est fait. Ça va vite venir. Voilà, je vais le réclamer dans mes commandes. Alors, c'est déjà venu. Et là, j'appuie sur récupérer tous les joueurs.
Ok. Si tu ne sais pas comment équiper le maillot Al-Nassr, je vais vous montrer comment faire ça rapidement dans les paramètres. Une fois arrivé ici, il faut appuyer sur choix de l'écusson. Et là, il faut chercher le championnat MBS Pro League dans le pays Arabie Saoudite. Alors, juste en bas. Ok, il est juste en bas. Voilà le championnat MBS en Pro League. Et là, je vais chercher le club Al Nassr. Voilà le club. J'appuie dessus. Et là, je vais appuyer sur choisir pour équiper le maillot et les logos du club Al Nassr. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais vous montrer comment augmenter la note générale de CR7 sans dépenser des crédits. Avant, je dois mettre CR7 à la place de ce jouet-là, Bora. Voilà. Maintenant, je vais transférer le niveau d'entraînement de Bora sur CR7. Ça va faire augmenter son gène et vous allez voir ça. Alors, je vais dans mes joueurs. Et voilà le joueur Bora. Et là, j'appuie sur transférer niveau d'entraînement. Et là, je vais choisir le CR7. Et là, il me faut 96 éléments de transfert. Voilà, c'est fait. Maintenant, il est passé à 105 gènes. Je vais l'entraîner. Ça va faire augmenter son gène aussi. Je vais juste utiliser quelques jouets que j'utilise plus pour faire ça. Alors, j'appuie sur CR7 puis entraîner. Là, je vais utiliser ces trois joueurs. Ils sont plus parmi les titulaires dans mon équipe. Alors, je vais les utiliser pour entraîner CR7. Maintenant, je vais utiliser un élément rang. Ça va lui faire augmenter à une note générale de 106. Voilà, si vous voulez, vous pouvez augmenter sa note générale plus que ça. Et si vous voyez, mon équipe monte en gène, ça passe à 108 gènes maintenant. Les amis, comme ça, on peut avoir le CR7 de l'équipe Al Nassr dans le jeu FIFA Mobile. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos sur le jeu, n'hésitez pas à me dire ça dans un commentaire. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. On va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo.